Bonsoir tout le monde, bienvenue, ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio. Ce soir, on est sur du jeu société parce que c'est mardi soir et je suis avec Endo. Bonsoir Endo. Hello, hello tout le monde. On est toujours en train de se défier en duel sur Ticket to Ride parce qu'il y a encore de nombreux plateaux à faire. Le jeu est passionnant, on l'adore, donc c'est parti, on y va. Et ce soir, la thématique... C'est une thématique très locale, c'est la France, la France, la France, la France d'ici, tout ça, la France quoi. Un plateau très particulier par rapport à tous les autres plateaux, déjà parce que c'est la France, et parce que y a pas de force, y a même pas du tout de couleur sur les lignes de train, et ça va être à nous de poser les couleurs, ça veut dire qu'on va embêter... notre adversaire en imposant les couleurs des lignes, mais on peut s'embêter nous-mêmes parce que s'il faut on n'aura même pas les bonnes couleurs de wagon pour poser dessus. Voilà, ça va être très très bizarre mais rigolo je pense quand même. Alors créer, changer de plateau, on est sur l'Europe puis ensuite le drapeau de la France. On est en partie rapide et le mot de passe c'est le même que d'habitude, le nom de la partie pareillement. Voilà, je t'attends. Là, et c'est parti. Ah, quand même, il y a quand même des petites couleurs qui sont déjà placées. Oui, c'est les bouts de 1 en fait. Ouais, c'est les petits bouts de 1. Voilà. Et nous avons forcément la musique cliché de la France. Le petit accordéon, Paris, la baguette, baguette, béret. Bon, bref, je vais arrêter. Alors... Le vin, bien sûr. Le vin. Les cartes d'objectifs changent par rapport aux autres plateaux, dans le sens où, au lieu d'être en format paysage, elles sont en format portrait. Voilà, c'est un détail, mais voilà, je tenais à le préciser. Alors, mes bouts à moi... Ça, je peux prendre. Ça, non. Ça, pourquoi pas. Aussi, allez, je prends tout sauf une. Bah pareil, et c'est moi qui commence. À toi l'honneur. Très bien. Et bah on va faire ça. Ah, les Belges. Les frites, la bière, le café liégeois, l'atomium, le mannequin peace. J'ai pas d'autres clichés belges. L'accent. Je sais pas le faire. David Morier sait le faire. Je suis belge une fois. Oh, mais c'est pas un accent ça. Ah bon, je fais l'accent belge là. Ah ouais. Dis donc. Je me demande c'est quoi l'accent orléanais. Hein. Y a un accent Orléans ? En vrai, un chouïa, notamment sur tout ce qui est les mots qui finissent en ET. ET ? Ouais. Comment tu dis un enfin l'animal avec des petites ailes que tu manges rôti au four ? Un poulet ? Ah, tu dis poulet aussi. Eh ben apparemment on devrait pas dire poulet mais poulet. Un poulet ? On devrait dire poulet normalement. Ah ouais. Et moi je dis poulet. Comme ah oui, il faut poser ce machin là. Ouais, c'est étrange. Oui. Pourquoi pas. Par contre, on dit bien du lait. Du lait. Bah non, du lait. Non, du lait. Du lait. Mon dieu. Comme quelqu'un qui est moche, on dit qu'il est lait. Il est lait. Du sanglier, c'est la lait. C'est la lait. Non, la lait. C'est au secours. Si ça se trouve, il y a des gens qui disent la même chose, je comprends pas. Ah, c'est à moi. Oui, pardon. Que faire? On va faire ça. Toujours pratique, un peu de wagon. Et on va aller ici. Alors, depuis peu, il y a quelqu'un qui m'embête, mais apparemment, on ne dit pas wagon, mais wagon. Et chose que je dis à cette personne, désolé, mais relis ton dictionnaire. Non. C'est wagon. Wagon. Toulouse-Montpellier en noir.
Ben, il va falloir faire l'autre ligne en rouge pour faire le Stade Toulouse. C'est vrai. Mais sauf qu'on ne peut pas faire l'autre ligne. Bah, Toulouse-Pau. Ou Toulouse-Perpignan, mais dans ce cas, il faudrait du jaune quelque part. Alors. J'y pense une chose comme ça, mais Toulouse-Montpellier, c'est ma ligne TER. Ah ouais. Ouais. Qui sont en grève d'ailleurs demain matin, je suis content. Oh bah, je te raconte pas la galère que ça a été pour aller à mon événement du bal des sorciers, parce que du coup, comme tu le sais, je n'ai plus de voiture. Et j'ai voulu y retourner après le travail le vendredi soir. J'ai eu la bonne idée d'y aller en train, du coup, sauf qu'il n'y a plus de train en Paris-Orléans à cause des travaux. Ah mince. J'étais obligé de prendre un bus pour aller jusqu'à Chartres, de Chartres, je vais prendre un bus pour aller jusqu'à Montparnasse, de Montparnasse, je prends un transport en commun pour aller jusqu'à Gare du Nord pour ensuite aller dans l'Oise. Tu t'es amusé. Et encore, c'est pas le pire, parce que j'arrive à la gare routière, du coup, pour prendre mon bus est annulé. Wow. Ah oui, tu t'es bien amusé. Ouais, ah, j'ai passé un week-end de dingue. Hop là. D'accord, il vient chez moi, lui, comme ça, là. Eh ben oui. Mais je viens chez toi, effectivement, mais je ne pars pas de chez moi, pour le coup. C'est vrai. Mais du genre de bien loin. Bon, il n'y a pas la petite indication des combien de points en fonction des wagons, là. C'est que c'est habituellement, c'est le même quota, mais c'est pas écrit. J'aime bien l'avoir sous les yeux, ça. Ouais. C'est vrai que c'est pratique. Surtout quand tu fais des grands trajets, quand tu fais 1 ou 2, bon, tu sais que c'est 1 et 2, mais... Ouais. Mais sur les grands, c'est compliqué. Ça... Ça me perturbe de voir la France de travers comme ça. Oui, moi aussi, je tique. Ah bah tiens, du rouge. Oui. J'ai même pas fait exprès. Alors, bah écoute, hein. Voilà. Oh mais j'ai fait une méga erreur là. Pourquoi? Ah mais je vais pas te le dire, sinon tu vas me bloquer. Ah bon? J'ai fait... Oh punaise, mais pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Est-ce que je peux rattraper cette erreur? Je ne sais pas. On va voir. On va voir. Attends, quoique. Comme si quoique. Ouais. Oh bah tu es loin, dis donc. Oui. Pioche du blanc et je voudrais du blanc s'il vous plaît. Non, c'est juste le blanc. Compte mettre ici. Juste le blanc. Ah bon, on n'a pas de prénom. Et si, ils sont prénoncés juste. Votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. Bah lui, c'est pareil, c'est juste. J'aurais adoré. Le voir au théâtre, parce que de base c'est une pièce de théâtre. Je suis complètement d'accord avec toi. Et tu sais, il y a plein de films comme ça, tu dis, ouais. Ils sont super quand même à la télé, mais qu'est-ce que ça doit être au théâtre? Ouais. Bah, comme le film Le Prénom avec Patrick, j'ai bien aimé le film, et mon avis au. Mais le théâtre, ça elle tourne encore au théâtre en vrai. Celle-là encore? Ouais, mais même. Alors peut-être. Avec une partie du casting, pas tout le monde, je pense. Mais par contre, malheureusement, le dîner de con, le casting d'origine ne fait plus cette pièce depuis très longtemps. Il y a des réadaptations par d'autres castings. Ouais, mais ça me va aussi, peu importe. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été exceptionnel de voir Jacques Villeret dessus. Ah oui.
Paix à son âme. Oui. Je le regrette presque autant que mon ancienne Clio. J'étais assuré au tiers, donc forcément, les réparations dans le baba. Non, c'est... Ah! Alors, ça me plaît beaucoup moins, tu vois, Jack, on va pas être copains. Ouais, c'est bon ça, si tu vas à Brest, tu peux longer la côte atlantique. Ouais, enfin bon, c'est pas trop. La part là que je vais, quoi. Quoi, t'aimes pas l'Atlantique, l'océan? T'aimes pas le vent salé? T'aimes pas la Bretagne? Les crêpes? Oh, si, si, j'aime à peu près tout ce qu'il y a en Bretagne, le kouign-amann, les crêpes, le caramel, le cidre, le pommeau. Le pommeau, c'est quoi ça? C'est de l'alcool de pomme, c'est un peu comme le calva, pour le coup. Ouais. Mais n'importe quoi, des conneries en plus, j'ai des bêtises. Le pommeau et le cidre, enfin, le cidre non. Et le pommeau et le calvados, bah c'est normand en fait, Baptiste, pas du tout breton. Ah oui, on ne mélange pas les deux. Hein. Ah bah oui, c'est comme le Mont-Saint-Michel, il est breton. Ah bon? Non, géographiquement, non. Il me semble qu'il est dans le département. Moi, je ne me prononce pas, j'ai pas envie de me faire d'ennemis. La Manche, hein. Et la Manche, je me dis pas de bêtises, c'est la Normandie. La Manche, c'est la Normandie, oui. Oui. Quoi? Oui, bah ça arrive de se tromper, Johan. Oui, bah je sais. Alors, non, la mise à jour NVIDIA, par contre, pas maintenant, s'il te plaît, on est le soir, là. La base virale VPS. Non, ça, c'est Avast, mais j'ai plus Avast depuis des années. A été mise à jour. Jusqu'ici, tout va bien. Ah punaise, c'est vrai. je sais pas. En vrai, plateau là, ce qui est chiant, c'est qu'au début, ça va, t'arrives à placer les couleurs où là où tu en as besoin. Mais plus la partie avance dans le tard, et plus tu te dis, merde, je mets des couleurs sur les rails, je sais même pas si je vais en avoir besoin. Mais c'est ça, des fois, tu me poses des couleurs de rails juste pour dire, bon, bah j'ai posé une couleur de rails parce que j'ai pas le choix. C'est ça. Parce que dès que tu pioches une carte, t'es obligé de poser une couleur. Hop, 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 on se calme. D'ailleurs, faut pas se planter parce que, en fait, théoriquement, il y a un nombre limité de couleurs de rails. Alors. Ah, j'avais pas vu qu'ils avaient mis le Luxembourg en jaune. Il sert à rien, mais il est là. Oui, il est présent. Bien sûr, la ville de Metz se situe au Luxembourg, tout le monde est au courant. Pique-nique douce, pelandouille. Allez. Du coup, à ton avis, si je fais passer mon train par l'Orient, ça devient l'Orient Express, du coup ? Oh, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Ah, pas bonne couleur. Ah, pas la bonne couleur non plus. Donc fichtre, tu m'embêtes. Bon. C'est pas grave, c'est par d'autres chemins. Celui. Ah non, hein. Pas par là, Jack. Ne va pas par là. Ne suis pas la lumière. Il n'y a pas de lumière dans le nord, il fait nuit à 15h. Ouh, ah oui. Alors, c'est, oui, d'accord. Oui. Une 5. On va pas être copains. Heureusement que j'ai 5 cartes oranges dans ma main. Hein. Bien sûr, ouais. Ça va être compliqué, t'as que 4 cartes dans la main. Ah bon? Je vois pas de quoi tu parles. Ah oui. Je vois ce nombre de cartes. Et oui. Je sais pas.
t'es parti de ce côté, personne va de ce côté-là pour le moment. Bon, allez, dans ce cas, je vais mettre des couleurs au hasard. Alors, Marseille-Nice, c'est bien. Oui, très bien aussi. Bayonne-Espagne. Pau. Ça. Bayonne-Pau. Ah non, Espagne, pardon. Non, pardon. Bayonne-Espagne. Oui, pardon. Autant pour moi. D'ailleurs, comment tu l'écris autant pour moi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent. Autant pour moi? Oui. Ben, AU, espace, TEMPS. Eh ben oui, ben, beaucoup de personnes pensent que c'est TANT. Et pendant un long moment, je l'ai cru aussi, je dois l'admettre. Mais alors, je n'aime pas la façon AUTANT en un seul mot. Je préfère la vraie version de la vraie langue française, la France. Oui. Mais il me semble, sans vouloir dire de bêtises, que de plus en plus, le autant AUTANT est toléré. Oui. Ça pourrait faire sens aussi, après tout. Oui, au sens premier, en vrai, ça fait sens. Hein. Donc, évidemment, c'est rien du jargon militaire, en réalité. Ça, je savais pas, par contre. En fait, c'est les tireurs, quand ils étaient pas, pendant les entraînements, quand ils tiraient pas dans le même temps que les autres, ils disaient du coup, autant pour moi, pour dire, je m'excuse de m'être décalé. Par rapport au temps. Ok. Et du coup, je remercie mon cousin Paul de m'avoir expliqué ceci. Coucou Paul, bisous. Salut Paul. Voilà. Ah, c'est pas la couleur que je veux. Ça, c'est la couleur que je veux. Ça me gonflait. Oh bah non. Quoi, tu voulais prendre des cartes qu'il y avait? Non, c'est pas très grave, ça. C'est pas si grave, finalement. Ah. J'avais oublié ce détail. Et j'avais oublié que sur les trois voies, je pouvais pas reconstruire une autre voie. Et ouais. Tu connais que deux. Ça m'arrange pas. J'en ai marre de mettre des couleurs. Attends, je vais pas faire comme une partie qu'on avait fait juste toi et moi, en mode je mets tout le temps la même couleur. Je vais essayer d'être plus original. Sinon tu ne peux pas, au bout d'un moment t'es limité. Ce qu'il faut savoir c'est que les... Là, par exemple, Jack vient de poser du coup 3 rails verts. Et si jamais quelqu'un met 3 wagons verts dessus, les 3 rails verts retournent dans la pioche. Enfin. Ah bon? Oui. Ah, je savais pas ça. Non, j'ai jamais fait gaffe, non. Regarde bien. Entre Amiens et Lille, j'ai posé du jaune. Deux rails jaunes. Ouais. Regarde bien. Yop là. T'as vu, ils sont revenus dans la pioche. Ah oui, d'accord. En gros, c'est tu verrouilles comme si tu pré-réservais ton trajet. En fait, il y a un nombre précis de rails de chaque couleur. Un nombre limité. Donc en gros, tu pourrais pas faire une carte toute rose, par exemple. C'est pas possible. Ok. Ouh, j'ai gaspillé un tour parce que c'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Ah non, mais fallait pas gaspiller un tour. Non, en vrai, c'est pas très grave. Mais bon, je me doute que ton trajet c'est Montpellier-Lille en passant par Brest. Montpellier-Lille. Ah, Brest. Ouais, c'est pas le plus simple. C'est le Tour de France, quoi.
Oula. Non. Ça oui. Ça peut être. Mais si je prends ça, c'est-à-dire que je peux prendre ça. Ça, on va éviter. Ah d'accord, on prend des objectifs du coup. Et oui. Ah ouais, j'aime pas cette couleur. Ah, ça c'est mieux. Le petit tour pour un wagon, quoi. T'as pas tes 5 oranges pour poser Saint-Malo le roi? Pas encore. Ah mince. C'est bon, j'ai. GG. Le petit bout de reine. J'avais oublié celui-là en fait. Ah d'accord. La 7? Comment ça? T'as 7 objectifs? Oui. Eh bien. Oh putain, faut faire gaffe au wagon. Faisons gaffe au wagon. Si le trajet est plus long, c'est toi qui gagne. Bon bah je pense oui parce que là j'ai moins 2 du coup avec Saint-Malo Rennes et Belgique. Comment ça non?
Oui, ton jeu de m'embêter. Poitiers-Bordeaux ? Oui. Il y a un petit jaune dans la pioche, là. Mais il y en a un, là. Pas la peine, du coup. Dans la pioche commune, il y en a un jaune. Oui, c'est ce que je te dis. Ah, je croyais que tu le voulais. D'accord, ok. Ah non, je le laisse. Ah, voilà, du jaune encore. On n'a pas beaucoup de vert en vrai. C'est vrai. Beaucoup de roses en vrai sur ce plateau. Ouais, c'est rose. Voilà. Du rose. Alors. Indication, toi public et pour toi Jack aussi, tu cliques sur les petits rails que tu as en dessous, que tu as à côté de ton nombre de points, tu vois ce qui reste justement comme rail. Oh! Donc tu vois que par exemple là sur jaune, il commence à être pas mal pris par une en rose, par contre il reste tous les noirs, tous les blancs. Ok. Eh ben je ne le savais pas. Très bien. Et chose intéressante, ils ont mis des symboles pour les daltoniens. Et par exemple, là, si jamais je veux replacer un 4 rails jaune, je ne peux pas. Ok. Et bien, on en apprend tous les jours. Avec Hippo Quiz. Ok. Je connais pas. Non, désolé. J'ai pas la ref. Non, c'est une ref de McFly et Carrie. Ah. Mais c'est un peu vieux maintenant. Sans je suis vieux. Ah, c'est à moi, pardon. Ah oui, c'est à toi, je veux que tu joues. Hein. Puisse finir cette première partie quand même. Construire une voie ferrée, pardon. Eh ben, je vais poser une voie ferrée noire. Voilà. J'ai joué une voie ferrée noire. Hop là. Mais non! Ah bah si! Bah alors? Jésus, est-ce que je comprends les objectifs histoire de faire un peu le mec? Bah non! Bon, pourquoi pas? On a 7 quand même! C'est qui tout double, hein? Non, mais t'en as 7! Et voilà, j'ai fait un 4. Carré! Très joli carré. Que je dois prendre des objets. Allez, on va être joueur. Non. 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 Dans la merde. Je t'avais dit de pas les prendre. Ouais, c'est pas grave, allez. J'ai perdu. 5. 6. Ah ouais, j'ai perdu de ouf. Et ça, t'as fait les 7 quand même. Oui, oui. Ah
Ah non. Oh, quel dommage. C'était Toulouse quoi? Non. C'était Toulouse Prince, je crois. D'accord. Ah d'accord, donc il y a la carte des objectifs, des plus grands nombres d'objectifs, et il y a la carte... J'aurais quand même gagné quoi qu'il arrive. Ok. Même si j'avais plus 8 points, mais plus 16, ça aurait fait 22. Hop là. Bon, bah encore une fois une victoire pour toi. Encore. C'est ce bouton, hein. Je suis prêt. C'est parti. Alors. Oula. Ouh, c'est quoi ces trajets? Oh punaise. C'est mort. Et puis tu sais quoi, je vais tout prendre. Et bah pistache. Ah ouais, j'ai tout pris. Alors, où allons-nous maintenant, Baptiste? On va où? Est-ce qu'on fait ça? Et c'est quoi les autres? Ok. Dans ce cas-là. C'est pas moi qui commence, pardon. Oui, oui, je réfléchis. C'est drôle parce que tout à l'heure tu m'as parlé de risque et j'ai très envie d'y rejouer maintenant. Ben, je n'y ai jamais joué de ma vie. C'est prenant, très long, très très long. Ah oui, ça, je me doute que ce soit très long. Oui. Mais une très bonne partie que je faisais avec mon frère et mon cousin à l'époque. Ouais. Absolument. Ah, ça y est, c'est à moi. Oui. Pourquoi? De quoi? Non, alors j'ai dû faire une fausse manip. Ah. T'as marqué tout à l'heure que le jeu a tendance à bugger quand tu cliques un peu trop bizarrement sur oui. La carte. Oui, oui. Nope. Allez, on va manger un petit peu de gruyère suisse. Gruyère suisse.
je me rends compte que y a des trajets ferry, ça, ok, d'accord, mais il y a une ligne Toulouse-Avignon qui est grisée, en fait, qu'il n'y a pas besoin qu'on pose une couleur, c'est juste on met ce qu'on veut. Effectivement, c'est la seule. Et c'est la seule en 6, C'est à la part seule. un ferry au nord entre Cherbourg et Calais, c'est la seule en 6. Et C'est vrai. Cherbourg-Brest d'ailleurs. N'importe quoi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Elle est 32. On va sortir. Ah. Ah, d'accord. C'est le reroll. Oula. Oula, le bruit, il a fait un bruit bizarre là. Désolé. Ouais, désolé. Je crois que tu en avais besoin, donc je l'ai pris. Le Dijon-Lyon. Attends, tu l'as pris que... Ah non, c'est juste que tu rejoins quand même Dijon. Je croyais que c'était juste pour m'enquiquiner. Ah non, 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 quand même, j'en ai besoin. Ouais. C'est pas que pour contre toi, bien sûr. C'est pas que contre toi, mais un peu quand même. Un peu quand même aussi, après tout, je trouve l'utile à l'agréable. Oui. Je réfléchis, c'est... Tu m'embêtes beaucoup juste avec ceux que tu as déjà placés pour m'embêter, donc... Bon, tu peux passer un blanc entre Dijon et Besançon et relier avec Besançon-Lyon. Attends, Dijon, Besançon. C'est pas un énorme détour. Oui, certes, certes, mais... Ouais.
Ok, très bien. Oula, le beau vert. Il est trop stylé pour me débarrasser. Je voulais pas me gêner pour plus tard. Ça m'inquiète, t'as pas posé tant de wagons que ça. Bah, j'ai 3 de moins que toi. Ouais, mais je sais pas. Ton trajet sur la map, sur le plateau, a l'air plus court. Non, non. 3 de moins que toi. Alors, juste pour préciser, j'ai pas voulu le préciser dès le départ parce que j'avais peur qu'Ando me bloque. Au final, il m'a bloqué d'une autre façon, mais. Quand on a une carte pour relier un pays sur le plateau, on a des points qui clignotent. En fait, quand on doit relier un pays, on doit choisir là où on va arriver. Un des 3 points du pays. On n'est pas obligé de relier les 3, on n'est pas obligé de relier celui qui s'affiche en premier. Par exemple, pour la Suisse, là j'ai pris le point sud, mais j'aurais très bien pu arriver au point au-dessus de Besançon ou au point en dessous de Mulhouse. Ah pardon, c'est à moi. Bah oui, ça fait. Ah, ça recommence. Le faire, Jack. Réfléchis.
Si. Ah bah oui, non, je suis bête. Oui. Ça. Mmh. Beaucoup de roses dans le sud-est. Hein. Ah, c'est plutôt le sud-ouest. Hein. Tu le voulais? Mais oui. Ah mince. Mais attends, comment t'aurais fait en... Ah, par brillance en Nice. Pas grave. En vrai, j'ai déjà fait tous les objectifs. Donc. Ça m'aurait juste permis de faire un trajet très long. Quoi. Bon, je pense que j'ai déjà le trajet le plus long. Enfin, c'est bon que je prenne tous les objectifs. Super. Il y en a un qui est pas mal dommage, c'est pas le moins. Allez, 8 points en moins. T'as des grosses cartes quand même. Ouais mais regarde. En vrai, il n'y a pas tant d'écart que ça. Quand tu vois que j'en fais 7 objectifs et toi 4, c'est pas un écart si grand. Hein. Ça fait quand même 2-0. Oh, c'est qu'un jeu. Non, on joue ma vie. Ah oui, d'accord, ok. Si je perds encore une fois, je me jette sous les rails. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Attention, cette blague est faite par des professionnels. Ne faites pas cette blague chez vous. Voilà. C'est bon. C'est parti. Tac et tac. Alors. Oh mon Dieu, c'est quoi ces trajets? Oh. Ah ouais, non, là, il y a tout qui va pas, par contre, en termes de trajet. Non, j'en prends... Là je suis... Non. Là, je le sens pas, je n'en prends que 3.
mais je vais pas en prendre autant parce que ça commence à être plus chaud. Notamment. Pas du tout ce que tu ne prends pas. Ça et ça, c'est sûr, je prends ça aussi. J'attrape celui-là. Oui, c'est le mieux que j'avais. De manière indéniable. Cette ligne t'intéresse? Aussi bonnement. On va se marcher sur les pieds. Rouge et noir encore. En rouge et noir. Vaincre ma peur. Les montagnes de douleur. Je sais pas si c'est ça. C'est du yaourt, quoi. Ouais. Bah, il y a eu un reroll. Ah mince. Pas très gentil. C'est toi qui as placé le rouge. Hein. Ouais, mais c'est pas gentil parce que tu vois, moi je fais des projets et tout et tu viens tout saboter. Tu fais des projets, je viens tout saboter. J'ai aussi un projet de ligne LGV, je rappelle. Entre. Attends, elle va où la LGV déjà? Ah oui, c'est Bordeaux-Toulouse. Ça fait des années qu'elle est sur les rails. Enfin, elle a été signée, et... sauf qu'on la verra pas avant 2040. Quoi. Juste, je te lisais un message qui fait extrêmement rire. Thank you.
Ah, tu pars chez les Corses. Oui. Ok. Il paraît que c'est une belle région, la Corse. Oui, c'est vrai. Où allons-nous? Et nous allons au pays magique. Non, nous allons à Marseille-Avignon. Avignon, très belle ville. Plus grand théâtre du monde en juillet. Je suis gentil. Je t'ai pas mis sur une couleur que tu voudrais pas sur Avignon-Lyon. Gentil. T'aimes pas Lyon-Avignon? Pas tout de suite. Ah, ok. Ah, je me disais aussi. Ils ont déplacé le chat. Attends. T'as le chat, t'as un petit bulle de chat au-dessus de à côté de ton personnage. Coucou. Ah ouais, ils ont déplacé le chat. D'accord. Attends, et comment je fais pour la renvoyer? Ah, comme ça. Avant, elle était à gauche. Ou à droite, selon que vous inversiez ou pas. J'aimerais bien avoir les cartes qui m'intéressent, s'il vous plaît. Ouais, moi aussi.
En regardant cette carte, on se rend compte que Bourges, c'est quasiment la ville la plus au centre de la France. C'est le cas, beaucoup. Ouais, moi qui pensais que c'était Clermont-Ferrand, tu vois. Ah non, pas du tout. Clermont-Ferrand est plus... Je la pensais pas aussi à l'est. Bon, elle est pas si à l'est que ça, pourtant elle est au milieu. Par rapport au milieu, je pensais Clermont-Ferrand un peu plus au milieu, en fait. Ok, donc elle est quand même pas très loin du milieu. Certes. Quand tu rebais, quand tu tournes un petit peu la tête pour voir la France droite. Torticolis. France. Et pas la France de droite, bien sûr, ce n'est pas la même chose. Ouais, non, on va éviter. Je trouve pas la carte que je veux. Ah, ça y est, on commence à toucher du doigt quelque chose. Et non, hein. Non mais sérieux. Allô? Quoi? Je peux jouer s'il vous plaît? Non. Punaise. Tu te joueras pas. Bon, j'en ai marre. Gaspille une locomotive, c'est pas grave. T'avais pas bordeaux orange? Non. Une carte orange dans la pioche commune, sérieusement. Non mais, le jeu me troll. Finaise, voilà, je la prends. Même si je l'utiliserai pas, je la prends quand même. Voilà. Tu vas rejoindre la Belgique. Pas du tout.
Pas du tout. Tup, tup. Oh oui, ambitieux, 6 wagons. Tu savais. Regarde bien le nombre d'objectifs. Hein. Regarde bien. Vas-y. Tu veux garder les 8? J'en ai pris 3, j'en valide 2. Tu viens d'en valider 2. Ouais, t'en as validé. Okay. Le coup Peter va. Ouais, mais je viens de me faire avoir là. Ouais. Je me suis fait eu. Punaise, quel imbécile. Oh punaise, non. Non. Bravo. Ah non, c'est un en dessous de 3 wagons, pardon. GG. Je pourrais pas rejoindre le Havre-Bourges. Mais en faisant plein de tout petits là. Ils sont avec plus qu'un seul tour donc. C'est ça. En vrai, j'aurais pu parler tout petit, j'aurais pu, même si j'aurais préféré passer par Le Mans, Le Havre. Pourquoi t'as mis plus de points? De quoi? T'avais pas 3 jaunes ou 2 verts ou... J'ai 4 jaunes, mais c'est par rapport à. Aux pré-réservations de rails, on va appeler ça comme ça. Bah, t'aurais pu faire Bourges-Clermont-Ferrand, ça aurait fait déjà plus de points. Bourges. Mais je m'en fous de Clermont-Ferrand. Mais ça t'a validé une quête là ce que tu viens de faire? Non. Donc t'as gagné plus de points. Hein, faire Bourges Clermont-Ferrand. Ah. C'est fini là en fait, là c'est fini. T'as plus de tour. Ah ouais, dans ce cas j'aurais pu faire Poitiers-Bordeaux en bleu. C'est vrai. Tu vois. Ou Reims-Belgique en jaune. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais. Tant pis pour moi. Le bravo. Pas tout de suite, hein. Non mais t'as gagné ça. T'as le trajet plus long. T'as les objectifs, t'as les points.
Mais non, regarde, t'es devant moi. Oui, bien, oui, vas-y, vas-y. Ah oui. Ah oui, t'es beaucoup plus bas que d'habitude. Ouais. Là, il y a un écart. Comme on dit, je ne serai pas Fanny. Allez, le petit screen. Le GG. Bonjour tout le monde, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur Iva Sound Studio. On est mardi soir, c'est jeu de société. On poursuit notre aventure, nos aventures, en petit train avec des wagons. Tout simplement, Ticket to Ride et les aventuriers du rail en français. Un super jeu de société, jeu de plateau. Encore une fois, c'est pas un placement de produit et c'est bien dommage parce que c'est un jeu qui est très très bon. Amusez-vous-y en famille, entre amis, avec vos proches, c'est vraiment très intéressant. Et comme d'hab, pour Ticket to Ride, je suis accompagné de mon fidèle contrôleur. Bonsoir Anto. Ticket, s'il vous plaît. Oui, j'ai composté. Je fais partie des gens qui compostent et qui ont bien leur ticket. Oui, j'espère que vous n'avez pas composté juste avant que je monte, hein. Ah bah, il est composté à la gare, je peux pas le composter dans le train. Enfin, en tout cas, chez ah moi, oui, c'est non, comme ça. J'étais en mode bus, moi, pas du tout. Non, train, train. Pour un train, train quotidien. Mm. D'ailleurs, c'est un artiste orléanais qui s'appelle Train, train quotidien, il fait de très très belles choses. Ok. Voilà, juste comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous suivons, nous reprenons notre partie autour de la France. Il en restait deux. Nous sommes à 2-1 pour toi actuellement. Ah, si j'allais te demander les scores, je m'en souvenais plus. Bah voilà. Ça arrive, hein. Forcément. Oui, je me doute. C'est un petit peu long, c'est vrai, la création de la partie. Oui. Le temps que ça charge les parties aussi. Ah, let's play. Non, c'est pas toi, ça. Non, c'est pas toi. Avant que tu l'aies pas appelé Vincent, je sais pas. Attends, ça arrive. Ok. C'est bon. Ah, il va s'en. Avec un mot de passe toujours aussi fringant. Toujours aussi peu original. Alors, je cache la marque de montée, mais oui, je suis au thé chaud parce qu'il fait froid. Ah, ça y est, ça a commencé là, ouais. C'est parti, la carte de la France. Ticket to Ride. C'est une carte pas simple et très embêtante. Tout simplement parce que... on choisit nous-mêmes en fait les couleurs de nos trajets, hormis les tronçons de un wagon. Et du coup, on peut s'embêter les uns les autres, mais surtout, on peut s'embêter soi-même. Donc, faut faire gaffe. Seule exception, Brest-Cherbourg, Brest, c'est quoi là-haut ? Dunkerque, je suppose. Et Perpignan-Marseille, Perpignan-Corse, Marseille-Corse, Nice-Corse et Rodez. Non, Toulouse-Avignon, pardon. Voilà, là, on choisit ce qu'on veut, peu importe, voilà. Ouais, Dunkerque. C'est pas Dunkerque là-haut, c'est quoi là-haut ? C'est Calais. Oui, mais j'ai une bande noire. Ah, bah c'est Calais. Oui, c'est Calais, pardon. Allez, c'est pas loin après, on va dire, c'est pas loin. Ouais, c'est dans le nord quoi. je sens une pointe de chauvinisme encore une fois. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mes trajets, que choisir aujourd'hui ? Mon dieu, mais c'est quoi ces trajets ? J'aime pas mes trajets. Tant pis, on va faire ça. Moi je suis un challenger. Prends les trucs même si ça rentre pas. Même si j'ai pas le nombre de bons wagons, ça va quand même rentrer. Je vais jouer fifou. Je prends tout sauf un. Bah j'ai fait pareil. Ah non, j'ai... Mince ! Qu'est-ce que t'as fait ? J'en ai pris que 3 ? Oui. Oh fichtre. Oh dear, we are in trouble. C'est pas grave. D'accord, si tu veux. Eh ben, piochon. Hein. Piochon. Piocher, mon ami, piocher. Eh oui.
Ah. Et Ah. D'accord. il vient se passer. Oui, je réfléchissais, je réflexionnais même. Oh. Ça m'arrive des fois. Oh. Ah, non, par contre, la carte, s'il te plaît, redevient un peu grande, merci. Faut que j'aille où? Oh, faut que j'aille là. Ok. Et eh ben. Te dirigerais-tu vers le nord? D'accord. Je le sens très mal actuellement là. Pourquoi? J'ai rien Il se fait, peut j'ai... qu'on. Non, mais il se peut qu'on se gêne un petit peu, voilà, tranquillement. Un petit peu quoi. Ah ben je m'installe, hein. Mais faites donc mon brave. Non, je vais pas vers le nord, pas du tout. D'accord. C'est noir d'un côté, blanc de l'autre, hein. C'est yin-yang. Oui. C'est l'hésitation. C'est l'hésitation. À vous. Vous. Ah, tu pars en Allemagne? Ja, jawohl. C'est un peu raciste, non? Non, das ist nicht meine Bierschoppen. Ya. This is not my cup of tea, du coup, ou ce n'est pas ma tasse de thé. D'accord. Traduction est complètement fausse, hein. Pas vous Ah. du tout. Ah, That is nicht mein Bierschoppen. Ce c'est n'est ta pas ma chope. chope de bière. Oui, bon, Bierschoppen, ok, d'accord. Mais sinon, je l'avais pas. Te doutes bien que. Voilà. Hein. Les Allemands ne boivent pas que de la bière. Ah Mais bon? aussi du vin, un Je petit croyais que peu. la bière était moins chère que l'eau là-bas. Et bien, c'est vrai que dans les pays de l'Est, dans l'Allemagne et la Pologne, quand tu demandes un demi de bière, ils te servent un vrai demi. Genre 500 millilitres. Alors que quand tu demandes un demi en France, et bah c'est pas 500 millilitres, c'est 25. Ou 33. Ou 33, oui. L'abus d'alcool est à consommer. Non, attends, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L'alcool, c'est un verre par jour, et pas tous les jours. Voilà. C'est à vous, mon cher ami. Oui. C'est la réflexion. Ah. Ah. Je sens pensif. Un peu. Ça non. Ah voilà quand même. Donc toi, tu longes la côte Benelux Allemagne. Absolument. Benelux? Ah non, c'est pas la même chose. Ne dis pas de Marx. J'ai pas dit de Marx. De Marx. De Marx. Marx allemand. Ouais, c'est Et de communiste Schla. surtout. Non, j'ai pas dit de Marx. Parce que c'est pas ça Oui. la vraie Marx. Oui, je sais. De Marx.
Alors. Je me demande si, Oui. par exemple, si je fais le trajet le plus long, est-ce que, Oui. je te donne un exemple, de Calais, je vais jusqu'à La Rochelle et j'essaie de passer par l'Allemagne, par exemple. Est-ce que si je prends l'Allemagne au niveau de Metz et que je ressors au niveau de Mulhouse, ça compte? Attends, refais ta fin là. Bah, par exemple, je fais Calais, Lille, Reims, Metz. Metz, je passe par l'Allemagne du coup. Oui. Et après, je ressors à Mulhouse, Ah non, non, Besançon, non. Dijon. En gros, tu voulais faire un tronçon nord-est et un tronçon qui traverse la France, c'est ça? Vu que c'est ça, Sans vu que tu me dis que tes que. deux points allemands ils soient touchés. C'est ça. Ouais, non, non, ça compte pas ça. Oh. Non, non. Faut pas déconner non plus, hein. Attends. Bah, du coup, c'est compliqué de faire un trajet de 45 wagons sur cette carte, hein. En 40 d'ailleurs, on a que 40 wagons. Ah pardon, la couleur, pardon. Oui, c'est mieux. Te dirigerais-tu vers Nice ou la Corse par hasard? Bah non, je vais à Nantes. Ah bah oui, c'est vrai que c'est la route, hein. Bah oui. Et Calais, c'est en plein milieu. Absolument. Oula, t'as posé du Nancy-Dijon en blanc, toi. Vous me mettre du jaune, j'ai peur que ça fasse un peu de ton sur ton avec Dijon. Surtout si les gens s'appellent John. Dit John. Oui, jaune quoi. Oui, bon. Oui. Ok. C'était moyen. Bah oui. C'est souvent comme ça, hein, les blagues du soir. Je réfléchis. Et on te pardonne, Ah roi bon? Yoli. C'est gentil ça, dis donc. Je sais Et tu sais pas. quoi, même pour te soutenir, nous allons rigoler. Voilà, c'est le mieux Ah que je mon puisse Dieu, faire. quel rire sincère! C'est le mieux que je puisse faire. Eh ben, on n'est pas sorti les fesses des ronces, hein, pour C'est une faire vraie rire les gens. expression? Hein? C'est une vraie expression? C'est pas ce terme-là, mais oui. Ok. Je pense que de loin, c'est un des thèmes musicaux que j'apprécie le moins. Sérieux? Ah ouais, celui que je préfère, c'est clairement celui de l'Asie. Oui, bien Il sûr, mais est vraiment épique. le thème classique, au bout d'un moment, il casse bonbon, quoi. Ah, celui d'essayer ça? Oui, pourquoi Ouais, petit bah, X, ouais. il est sur d'autres plateaux aussi. Moi, je sais pas, je l'aime bien celui-là, là, le thème. La France, l'accordéon, tout ça. Oh, un peu cliché quand même. Oui. Même si tu vas me dire, toutes les musiques en fait sont hyper clichés parce que. Ah oui, complètement. Que même sur le plateau asiatique, que t'as des musiques qui sont clairement à connotation asiatique. Pour le plateau américain, c'est clairement un peu country et tout. Cotton Eye Joe. On explique pourquoi il s'appelle Cotton Eye Joe d'ailleurs. Parce que Joe a les yeux en coton. Ben ouais, mais c'est comment? Ou alors Joe est une poupée, peut-être. Pourquoi poupée? C'est du coton quoi, littéralement, du coton.
Boum. Ah, tu vas à Nice. Ah, ok. Possiblement. Ce n'est pas impossible. D'accord, tu ne vas plus à Nice. Mais où vas-tu? Oui, parce qu'il n'y sera pas. Oh mon Dieu. C'est embêtant. Donc je vais faire comme l'autre fois. Alors attends, comment tu disais, il faut cliquer sur ça pour voir tout ce qui reste en ligne, d'accord. Oui. Il n'y a pas beaucoup de... d'orange, tiens. On met du orange. Loin, genre ici. Parce que le rouge et le jaune de l'Espagne, ça fait du orange. Ah ben, dis donc. Me copierais-tu? Tu veux un peu plus de orange? C'est très gentil. D'ailleurs, on n'est pas très loin de la ville de Orange par là. Orange, c'est au-dessus. C'est au-dessus d'Avignon. Ouais, c'est un peu long quand même. La pioche ne me sied guère. Ouais, elle m'enquiquine un peu aussi. Voilà, si quelqu'un voulait faire Bayonne-Nice, le trajet est tracé. Hein. Fichtre. Encore un peu de rouge. Oula, trois trajets d'affilée en rouge. Comment? Trois trajets d'affilée en rouge, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Angers. Le Nantes, Angers, après, il est de base. Oui, mais si quelqu'un doit aller par là, c'est du rouge-rouge. Hein, c'est... Bah dans la région de Bordeaux, en même temps. Certes. Y a pas les couleurs que je veux. Ah, pas mieux déjà. Ok. Je me suis pas mal bloqué avec toutes ces bêtises, moi. C'est vrai? Bah, c'est la couleur que je veux ne sort pas. Genre, ah. Littéralement, elle ne veut pas. Elle dit non, je fais la grève. Ah ben là, en même temps, le SNCF... Pardon. Bah, c'est l'État, un peu. Oui. Beaucoup. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'apparemment, il allait avoir des... une compagnie privée qui allait faire concurrence bientôt. C'est déjà le cas sur certaines lignes en fait, depuis quelques temps, depuis que les services publics sont ouverts à la concurrence, comme la SNCF et d'autres, mais pas tous. La SNCF, déjà, il y a. Pour se concurrencer eux-mêmes, ils ont fait tout ce qui est les Ouigo là. Oui. Néanmoins, vu qu'il manque beaucoup de choses sur des petites lignes et des lignes.
qui traverse la France en horizontale. Il y a une coopérative à la base d'association qui est Rail Coop qui va relancer ces petites lignes et notamment faire vraiment traverser la France en horizontale qui manque énormément, cruellement. Parce qu'aujourd'hui, on peut très facilement faire Bordeaux-Brest, Bordeaux-Paris, Toulouse-Paris, Lille ou, ou Montpellier, tout ça. Mais les gens qui veulent faire Bordeaux-Lyon, ils galèrent, ils sont obligés de passer par Toulouse ou par Paris. Et là, du coup, il y a Rail Coop qui vont se lancer dans très peu de temps. Ils ont tout bien calculé, ils ont eu les financements, etc. Et vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont hypé n'est pas le mot, mais c'est dans l'idée, ils vont se lancer et ça y est, c'est officiel. Et du coup, ils vont aller sur d'autres lignes aussi, même des lignes TER où il n'y avait plus de TER. Et ça, c'est super chouette, c'est une super initiative. C'est très bien parce que tu vois, quand on habite à Orléans et on a de la famille à Montargis, et ben, c'est le bus et rien d'autre. Hein. C'est où Montargis déjà? C'est à l'est d'Orléans, du coup. D'accord. Tu vois où il y a les trucs orange? Ouais. Le deuxième appartement du haut. D'accord, ok. Ah oui, oui, ok, d'accord, ok. Grosso modo, hein. C'est plus Auxerre d'ailleurs. Où vais-je maintenant? Je vais ici. Ah, donc le Avignon-Nice ne t'intéresse pas du tout? Je ne sais pas. Je sais pas te dire. Mais c'est toi qui l'as posé, c'est pour ça. Mais juste. Peut-être que j'ai juste pas la couleur. Ah mais j'ai pris ça en carte. Ah. Faut que tu rejoignes Calais, Toulouse. Bon courage. Non, je pensais que mon petit Le Mans Angers dernièrement posé me validait toutes mes cartes. Et en fait non. Parce que c'était mon point de départ n'est pas du tout là où je suis parti. J'avais mal lu mes cartes. Ah. Et oui, tout à l'heure, je ne partais pas de Corse, il partait de Brest, qui est tout à fait à côté, bien sûr. Attends, je réfléchis. Ah oui, le bug. Tu peux te débugger, merci. Techniquement, le petit bug du mauvais zoom a fait que je pose mes trains à côté des rails. Donc techniquement, Nice Italie, le train a déraillé, a envoyé les secours. Ah, quand même! Ah oui! C'est juste que c'est compliqué d'avoir un quatrième verre, j'étais obligé de prendre une locomotive. Poup poup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça. Never. Ça. Pourquoi pas? Ça. Oui. Attends, je dis non. Et ça. Allez, on prend les trois. Sérieux? Ah non. Si, si. Mais t'en as relancé, reposé une? 3 sur 4, j'en ai pris. Ah! J'ai dit que j'ai pas pris. Putain, j'ai encore des peluches du masque de la journée dans ma barbe. C'est horrible. T'as quoi? Des peluches du masque dans ma barbe, c'est chiant. C'est un masque en tissu. Ah. Mais, d'accord, il part d'Avignon, il va partout. Hein. Oui, tu sais, je rayonne sur tout le sud de la France. Mais si tu voulais faire un trajet long, pourquoi t'as pas posé Nice-Marseille? Ah oui.
Non, parce que ça aurait rien changé. Ah, ok, d'accord. Que j'avais déjà Toulouse, Avignon qui s'est fait près la même taille, donc. Ça aurait rien changé. Allez, fifou. Waouh! C'est non! Que 8 wagons. C'est non! Ah ouais non, celui-là non. Ah non, non, c'est mort. Ça c'est mort. Ça c'est mort, mais mort mort. Ça c'est mort mort. Ça peut-être. J'ai bien peur que tu la gagnes, celle-là, en vrai. Je ne demande que ça. Quoi? Au pixel près, attends, j'ai eu peur. Ouais, techniquement, oui, non. Si t'as tes trajets, t'as gagné. Et vu ce que t'es en train de faire, je supposais que tu as tes trajets. Pas encore. Oui, dans le tout pour le tout, tout pour le tout, quoi. Baptiste, faut pas faire ça. Attends. Oh, la brute. Attends. Non, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ouh non. Pas encore le dernier tour. Terminus, tout le monde descend. Non. Ah si. Oh punaise. Eh bien GG. Ah, alors là, que de verre sur mes objectifs. Là pour sauver les meubles. Je peux même pas sauver les meubles en fait. Parce que je n'ai que des choses en 2. Et le seul 2 dispo, c'est du rouge ou du rouge. Et je n'ai pas de rouge. Ça sera un 1 sinon. Sinon, ça va être du 1. Mais ouais. En gros, je voulais le Reims Belgique. Et vu que j'avais de base 2 jaunes, je m'étais dit, bon, je pose du jaune. Et j'aurais dû poser du bleu ou du vert en fait. Puisque dans la pioche, ça sortait un peu plus. Ah. Pas de chance. Ouais, c'est le seul qui manque là. Le Rhin, enfin, il fallait que je relie la Belgique. Et le opus simple, c'est. Oh, Paris, Amiens, Lille. Ah non, il y a un petit bout vert. Oui. Ouais, non, ça, j'aurais manqué. Ouais, il m'aurait manqué un tour dans ce cas. Donc ça serait revenu pareil. Ah non, Reims, Amiens. Ah non, il y a 1, 2, 3, pareil. Non, j'ai rien dit.
Bon, ben, je vais poser. Même en trajet plus long, je l'aurai pas, donc. Je sais pas. Quoique. Peut-être que si. À toi. Et bah, je vais mettre mon petit bout ici. Bien isolé. Oh non, tu passes devant moi. Eh, hey, t'avais quand même des grosses cartes, hein. Ah, mais des très mais grosses la dernière. Quel dommage. Et ouais, 12 points. Attention. Tadam. Attends, il me manque encore deux. Encore un. Qui a le plus long? C'est toi qui a le plus long, tu vois. Et tu prends le bonus. Ouais. Bonus objectif. Eh bien, ça fait 2-2. 2-2 sur la France. Le petit screen. Hop. Ah bon, j'ai eu peur. Bon, plantage ou pas plantage? Ticket aura été gentil, tu vas être sage ce soir. C'est bien. En attente. Dernière partie de la France. Et que celui-là qui est un peu extrapolé. Ouf. Allez, on prend tout. Tu prends tout? Oui. Edgar, on prend tout. La vieille pub, j'y vais. Oui. Ben pour moi, c'est un point d'interrogation. Hein. Aïe. Je prends pas tout. Ah. T'en laisses une. Oui. Alors... Windows qui a décidé de redémarrer tout seul, s'il te plaît, l'ordi tient le coup. C'est qu'un jeu de société. Ah, qui prend pareil non plus. Voilà quoi, c'est pas non plus. Ouais. Ouf, comme jeu, c'est assez statique. Ouais, ouais, mais. Je sens qu'on va c'est se pépère, piétiner hein. Un petit peu. On va quoi? Je sens qu'on va se piétiner un petit peu. Tu penses? Oh, bah, vu comment t'es parti, oui. Oh, quand même. Oh bah. Tu as déjà commencé. Tu voulais faire Bayonne, partout Orléans, Paris? Ou pas? Je sais pas trop exactement. Comment je m'organise encore? C'est assez indécis. J'ai peur que J'allais dire me mettre des bâtons dans les roues, mais tu mets un bâton sur un rail, le train il passe quand même. Hein, donc tu mets un tronc. J'ai peur de même mettre des troncs dans les rails. Dans les rails qu'on les met. T'as plus droit dans les. Ah, oh, sur les rails, dans les rails, ça va, on va pas chipoter. Oui, c'est hein. Plus sur les rails. Bah, je chipote moi. Ah, tu chipotes. Tu chipolatas même.
Arrête, il y a une musique qui me vient en tête et j'ai pas envie de l'avoir en tête. J'y pensais même pas, sérieux. Et je refuse d'avoir cette chanson en tête. Mais trop tard, tu l'as maintenant. Oui, oui, c'est trop tard, je vais mourir. En ce moment, j'ai pas mal en tête l'espèce de musique pseudo années 90, parodie des musiques de l'Est, de Squeezie, qui apparemment aurait fait dernièrement en défi. Sauf que, bon, le clip c'est nul, mais ça se retient, c'est facile à refaire. Les paroles, on s'en fout, c'est un peu du Bratislava Boys. Mais la musique reste en tête, la musique donne envie de bouger, et c'est chiant. Je vous déteste, mes jeunes radio-caravanes, pour ça. Mais je vous aime quand même. Un peu. Oh, c'est mignon. D'ailleurs, les gens qui écoutent ou qui visualisent ce stream ou cette VOD, si vous souhaitez voir ce qu'on fait et écouter ce qu'on fait en atelier Radio Caravane spécifiquement, bah allez sur radiocaravane.net. Simplement. Les productions sont très très intéressantes et de qualité pour des jeunes qui de base n'ont jamais fait de radio. Ça vaut le coup de jeter une oreille. Tu fais quoi comme trajet? Attends. Je te dirai pas. Il est chelou ton trajet. Je suis pas sûr qu'on se gêne tant que ça en vrai. Même. On verra bien. Ouais, on va voir. Mais vous voyez pas sur le stream mes cartes en fait. Les cartes objectifs ? Là, hop là. Et vous les voyez plus. La réflexion. Ah bah zut. Faire ça. T'es très la Bretagne. Oui, j'aime bien la Bretagne. J'aime surtout la bouffe bretonne. Alors ça, mais... À m'en faire péter le bide. Parce qu'ils ont des chapeaux ronds. Oh bah, y a pas que le chapeau qui est rond là-bas. Hein. Ah bon? La galette? Bah alors, l'aussi, oui, c'est vrai. Le kouign-amann. Non, je sais pas quelle forme un kouign-amann. Je n'ai jamais en mangé. Général, c'est rond, oui, en général. T'as jamais mangé kouign-amann? Non. T'as déjà mangé une plaquette de beurre? Bah voilà. T'as l'idée globale. Faut pas exagérer non plus. Non mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de beurre. Oui. Dedans, mais... Et c'est super bon, hein. Mais il y a beaucoup de beurre dedans. Allons-y, gaiement. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite. Quand elle est bien faite. Avec du beurre dedans. Dedans. Et flûte. Punaise. Sapristi, fiche. Eh bien, tant pis. Ah merde, je peux pas faire ça. Eh bien... Voilà. D'accord. Serait-ce un petit peu un coup pour rien? Oui. Non mais sérieux le jeu. Le jeu il est pas gentil là. Eh bien voilà.
D'accord, le Mantour Poitiers, Limoges. Je pourrais te piquer le Mantour, hein, je préfère le préciser. Non. Je pourrais. Non. Ah bon? J'ai dit non. Oh. Christy, hein. C'est bien parce que je suis gentil. Hein. On débarrasse tout de suite, hein. Oui, vas-y, vas-y. Il a eu peur. Oui, parce qu'on sait jamais, un petit orange qui se balade. C'est raciste. Si tu le dis. T'as pas besoin d'aller en Espagne? Non. Ah, pièce de zoom. Ah voilà, voilà, moi qui voulais aller en Espagne, comment je fais maintenant? Oui, c'est ça, fiche-toi de moi aussi. Non, pas du tout. Tu me connais. Sérieux? Ah mais niveau wagon, on est kiff kiff en vrai. Anyboss. Ouais, même le score en vrai. Y a pas tant que ça. Et ouais, et toi t'as 5 objectifs en plus. C'est l'instant objectif. Jingle. Pin. Magnifique jingle. Mmh. Très peur, en vrai. Ah, ok, d'accord. Ah, bah voilà.
quel abruti. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'était pas du tout ça mon plan. T'as posé quoi? Amiens-Lille? Oui, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ah. Il y avait d'autres choses prioritaires dans la vie. Genre, la paix dans le monde? Non. Prendre des cartes noires. Non, la paix dans le monde, je m'en fous, je veux des cartes noires. Complètement. Non, pas toi. Oh, allez, toi. Te mettre là. Ah oui, ça m'aide. Oui, ça aussi, ça m'aide. Arrête le zoom, punaise. C'est agaçant, oui. Actuellement, on doit déguster un magnifique jus d'ananas qui vient tout droit de la Réunion. D'accord. Et il est super bon. C'est à toi. Alors, oui, je sais. Le jus d'ananas est très très bon pour la santé. D'accord. Saviez-vous, l'ananas brûle les graisses. Oui, ben d'accord. Mais là, c'est parce que c'est un poil acide, non? Non, eh ben non, il est très. Alors, faut savoir que les ananas de la Réunion sont vraiment très très sucrés en général. Les ananas ou les ananas? Bah, comme tu veux. Un peu, ça m'inquiète. Tiens le coup, le jeu. Nous sommes très serrés en nombre de wagons, mais en nombre de points, tu me surpasses. Tu as de plus longs trajets que moi. En vrai, j'ai 7 cartes, t'en as 5. Regarde ton score, regarde le mien. Ouais, t'as 11 points de plus que moi. Hein. Ouais, mais il suffit que tu repioches et en vrai, tu me dépasses. Hein. Comme ça que je repioche. Si tu pioches des trajets qui sont bons, au final, ah, oui. Si on fait une égalité de nombre de trajets, je pense qu'en termes de points, tu es devant comme moi. Comme ça, par exemple. Un peu. Ouais, je pensais à Descartes, mais oui. Et pas René, forcément. Cher philosophe mathématicien. Oui.
Ah, le petit Suisse Belgique. Non? Ici, complètement. C'est exactement ça. Je viens de le compléter d'ailleurs. Ah oui. Mais j'hésite. Est-ce que je repioche les objectifs? Parce que toi, quand même, 7. J'en ai que 5. Et 5, pas hyper gros, quoi. Je vais reprendre le risque, malheureusement. Sachant que t'as deux cartes couleurs. Ah ouais, c'est pas grand-chose. Tant pis. Attends, j'ai 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ça passerait celui-là. Si j'arrive. Mais t'as posé. C'est quoi le dernier truc que t'as posé sur le plateau là? Perpignan, Espagne. T'as posé de la couleur? Ah, en couleur. Bourges, Clermont-Ferrand, rouge. Tu t'en fiches complètement. Peut-être. Non, j'en prends qu'un seul. À mon avis, celui-là, il va être trop dur. Trop long. Et bon, l'avantage, c'est qu'au moins, je le prends, il est validé. Oui, d'accord. On peut avoir beaucoup d'efforts à faire. Oula, c'est du pif ou... Du pif complètement, oui. Ah bon. Je t'ai embêté? Non, 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 c'est juste je vois 5, je me dis ça y est, il va poser un 5, il va prendre 25 points d'un coup là. Peut-être que oui. Proche de la fin là quand même. Ça sent la fin. Dernier tour. Non. Ah, oh, joli. Joli. Pense que tu gagnes quand même. Je pensais pas que t'allais poser un 4. Bah, je voulais tenter le 5 en vrai. Ah, je me doute. Je voulais tenter le 5 et le dernier noir a pas voulu sortir. Pas beaucoup de suspense, hein.
Ah oui, d'accord. 18. Ouais, c'est mort. J'ai que des petits trajets. T'as le plus long en plus. Il fallait absolument que je fasse la boucle. Bon bah voilà. Hein. Ça fait 3-2. Et la France. L'incontestable cheminot de la mort. Hein. Normalement, on est censé faire un autre trajet. Oui. Mais il va être 22h et je pense pas qu'on puisse faire 5 parties là. Je ne pense pas, non. La France est quand même assez longue. C'est vrai. Donc, mardi prochain, t'es là ? Enfin, mardi quoi. Je consulte mon agenda qui est sous ma main. On va éviter. Pas mardi ? On va éviter parce que Johan sera du matin, donc c'est toujours plus compliqué quand il est du matin. Ça m'arrange, je me lève très tôt, j'ai un train à prendre. Bah voilà. Le mardi d'après ? Normalement oui. Attends, et... je risque une voiture quand même, que je dise pas de bêtises. Ça sera donc le 7, le 9, non, plus combien ? Le mardi d'après, je sais pas. 14 ? 30... 6, 13, non. 14, du coup, 14. Ouais. Bah c'est bon. Ok. On ira sur un plateau qu'on n'a pas encore fait, du coup, qui est... On verra. On va décider, mais il y en a encore plein qu'on n'a pas encore fait. L'idée, c'est de tous les faire à un moment donné. Les variantes, on y réfléchira. C'est assez particulier. Le plateau est le même, c'est juste des règles qui changent. Donc ça, je sais c'est pas ça. Trop. Mais en termes de lieux à visiter, de pays à visiter, de régions, oui, quand même, on les fera tous à un moment donné. Voilà, c'était Jake et Ando sur Iva Sound Studio sur Ticket to Ride, les aventuriers du rail avec cette France en deux parties pour Twitch, mais YouTube c'est bien sûr en une partie. Vous venez de regarder les 5 à la suite. Et d'ailleurs, on a Julien Lepers qui tient ses cartons jaunes là à l'écran. Il y a une belle moustache. Voilà, ça c'est fait. 4 à la suite, question pour un champion carton jaune. Bon, bref. Suivez l'actualité d'Iva Sound Studio sur tous les réseaux. Abonnez-vous. Abonnez-vous. J'y arrivais. Abonnez-vous sur les deux YouTube Gaming et Radio IRL, notamment où on poste les jeux de société, mais aussi plein d'autres choses. Et viendez Discord parce qu'il y a des choses gentilles et sympas sur Discord. Et surtout, toutes les semaines et notamment tous les jeudis soirs, vous avez des jeux de vidéo à récupérer gratuitement. Dès qu'on en voit, on vous le dit pour vous compléter vos collections. Profitez-en. Voilà, et suivez bien sûr les productions radio qu'on peut réaliser. Et en ce moment, c'est du Radio Caravane, c'est de la culture, c'est du cirque contemporain, c'est de l'éducation aux médias, c'est plein de bonnes choses, plein de bienveillance, et ça fait du bien en ce moment, surtout dans ce contexte pas facile. Voilà, prenez soin de vous, passez une agréable soirée, une agréable nuit, une agréable journée si vous êtes en VOD. Voilà. Cordialement, bisous. Ciao.